une... Et le jeune, s'il faut parler des jeunes, donc soyons responsables. Nous jeunes, on doit être responsables. Donc soyons responsables. Nous jeunes, on doit être responsables. Donc soyons responsables. Nous jeunes, on doit être responsables. On doit être responsables. Et aujourd'hui, on a un ministre de la jeunesse qui est bâton, qui est un jeune courageux, qui vient de loin comme nous et qui a des projets, parce que moi j'ai eu la chance de le côtoyer. On était avec lui il y a 2 jours. Et il s'exprimait, il m'a dit ce qu'il pensait de la jeunesse. Je lui ai dit ce que moi je pouvais aussi apporter. Et je lui ai signifié aussi que même s'il me connaissait bien avant, mais c'est le ministre de tous les jeunes. Balala. Quelqu'un qui a pris en nous, Eric Mandala, avec tout le groupe Univers Télévision, donc, que nous ont accompagné dans tout ce qui est logistique et voilà, moyens, financement, tout ça. Et les autres producteurs et les autres sponsors, comme la Pracomo, qui nous a soutenus vraiment. Donc, j'ai dit merci à mes fans qui sont toujours là pour moi. Merci à eux et merci à mes propres sponsors aussi, pas les sponsors du concert, mais de la Team Wata. Commençant par le président d'honneur de la Team Wata, tête des dames, Mvuando Mabokobank, et son épouse, Rachel Foukanda, vainqueur. Donc voilà. Merci à mes grands frères et merci à les musiciens, les artistes qui font partie de la Team Wata, qui sont toujours fidèles à notre idéologie. Malgré que dans toute famille ou dans toutes les entreprises, dans toute famille ou toutes les entreprises, il y a toujours eu des problèmes. Mais ensemble, on les surpasse et on fait l'effort de se battre ensemble pour progresser aussi ensemble et gagner ensemble. Parce que quand il y a échec, on perd ensemble. Et voilà. Merci à vous, mes amis de tous les jours, les amis de tous les jours. Quand je parle des amis, je vois Bobé la Bobé. Je vois les étoiles, je vois Amikim, je vois Estrella, les étoiles en Angola, je vois les amis des Wata en Angola, je vois le Béré Rouge en Angola, je vois les amis des Wata en Afrique du Sud, je vois les amis des Wata et par le monde, je vois les Spiritas qui sont fidèles, qui se battent, et surtout eux, plus c'est la promo de l'artiste, c'est l'avenir de l'artiste, c'est la réussite de l'artiste. Donc voilà, en quelques sens, en quelques petits mots. Ça. Et merci à tous ceux-là qui ont eu le moyen, qui ont eu le courage, le temps de me souhaiter un heureux anniversaire. Hier, j'ai vu Facebook, j'ai fait le film du Facebook, et j'ai vu mes photos que moi-même, je manquais même, que moi-même, j'ai manqué. Et ça a été un grand plaisir. Pourquoi un grand plaisir? Parce que on peut beau dire du mal de l'artiste, on peut beau dire du bien de l'artiste, mais ce qui est plus important est que l'artiste soit soutenu, soit porté dans le cœur de ses fans. Et hier, donc commençons par hier et jusqu'à aujourd'hui,
j'ai senti cette affection-là. Et je crois que mon chemin, je ne le fais pas seul. Je le fais avec vous. Vous, là, qui m'accompagnez. Vous, les femmes de la Timor, car vous, qui méritez. En même temps, c'est quand je vous dis. Aussi un jour. Héritier a pensé, héritier a rêvé. Mais comme les rêves sont faits pour être réalisés, aujourd'hui, j'ai réalisé mes rêves. J'ai vu mes rêves. J'ai vu ce que j'avais rêvé. Et pourquoi pas eux? Quand les autres jeunes se réfèrent à moi, je me dis gloire à Dieu. Parce que je viens de loin. Je viens d'être loin. Je viens d'être très très loin. Et j'ai l'espoir que eux aussi vont réussir, qu'ils réussiront aussi. Pourquoi? Parce que le soleil, lui, pour tout le monde, donc pour tous, et j'en suis un exemple. Donc voilà. Dans les difficultés, dans la souffrance, dans la douleur, je me suis forgé, et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et c'est pas seulement par rapport à moi, grâce à moi-même, grâce à tous ceux-là qui ont pu m'aider. Dès le commencement de ma carrière, jusqu'à aujourd'hui. Depuis le commencement de ma carrière, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis fier de dire que je viens de loin et je suis arrivé quelque part. Et certes, j'ai encore un long chemin à parcourir, mais j'ai réalisé quelque chose. Et je suis fier de cet exploit-là. Un exploit, un travail de dur labeur, un travail où chacun a pu m'aider en sa manière, commençant par mon ancien groupe, Reggae Music à Maison Mère et son président, et les autres artistes qui ont fait le beau temps de ces groupes jusqu'à la Team Wata. Passons par les autres artistes aussi qui ont pu me soutenir, qui ont voulu me soutenir. Et aujourd'hui, ils seront là avec moi, je crois bien. Et je pourrais dire que oui, Dieu merci. Et le jeune, s'il faut parler des jeunes, donc soyons responsables. Nous jeunes, on doit être responsables. On doit être responsables. Et aujourd'hui, on a un ministre de la jeunesse qui est Bâton, qui est un jeune courageux, qui vient de loin comme nous et qui a des projets, parce que moi j'ai eu la chance de le côtoyer. On était avec lui il y a 2 jours. Et il s'exprimait, il m'a dit ce qu'il pensait de la jeunesse. Je lui ai dit ce que moi je pouvais aussi apporter. Et je lui ai signifié aussi que même s'il me connaissait bien avant, mais c'est le ministre de tous les jeunes. Mishka a été témoin, Tchali Robin a été témoin. Donc, c'est le ministre de tous les jeunes. Et il doit travailler avec tous les jeunes, tout le groupe, tous les artistes, tous les vedettes, pas que musiciens, et comédiens et les autres. Donc voilà. Et même le foot, donc plein de disciplines, les sportifs, disons. Donc il y a plein de disciplines où le jeune émerge. Et qu'il faudra que le ministère de la jeunesse puisse un peu mettre de moyens pour booster ces jeunes-là et que la réussite soit à notre porte, à la porte du Congo. Parce que le Congo, ensemble, unis, on est très fort. Ensemble, unis, on est très fort. Je voudrais passer la parole aux autres confrères. Une des questions avant que l'artiste ne monte sur le podium. Mais je voudrais clôturer par juste une parenthèse. Le jour de ton anniversaire, une promesse à tes fans, à quand la sortie de l'album Ni Ange Ni Démon? Avant la fin de l'année de 2000, avant cette fin d'année. Voilà, une, deux questions à l'artiste avant qu'il ne monte sur le podium. Monte, on va y célébrer l'anniversaire Nayo, mais évitez la surprise ni de revivre la soirée à l'île. Oui, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises. C'est parce que si on a l'objet en moi, comme il dévoilait après les bits. Donc voilà, que Dieu nous aide à ce que tout banda, tout kenda, si malin, va nous comprendre la surprise en moi. Mais aujourd'hui, c'est un concert où nous avons des fans, nous avons des fans. Ermo na kena yembi, ermo na zongi na vandina va inviter nanga tozo solo là. Parce que pour nous, c'est une fête. Et on le fête en chantant. La chose qu'on sait mieux faire. Est-ce que inviter ces prises Vasali comme artiste? Parce qu'on a vu la page Nayo, il y a plusieurs mondes, même artistes étrangers. Bon, souhaiter que joyeux anniversaire. Mais est-ce que ici, dans cette soirée, il y a des invités surprises? Oh, il y a des invités surprises. Qui seront vraiment de grandes surprises. Alors, Watanabe, il y a dernier mot, parce qu'il y a plein de monde ici qui nous suivent.
album mi ange mi démon, ben exploit ni niko ça là ce qui est bimi. Je peux pas trop parler sur ça parce que mes fans m'ont même interdit ça. Ils m'ont dit de plus travailler que de parler. Et aujourd'hui, on va plus travailler que parler. On va beaucoup plus travailler que parler. Et quand ils auront leur album, ils verront que on a travaillé pour le faire plaisir. On a vraiment travaillé, on s'est donné vraiment corps et âme. On a souffert pour atteindre la finalité de cet album-là, Mi-Ange, Mi-Démon. Au nom de la presse, presque tout le monde est ici. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire pour notre président? Est-ce qu'on peut chanter tout le monde? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Balala. Let's bat.